Qu'est-ce que j'ai fait pour la semaine d'appréciation? Interviewer des francophones. J'ai interviewé trois francophones qui travaillent à Houston. Voici comment ça s'est passé. Je m'appelle Églantine. Ma ville natale est à Lyon, en France. Alors, moi, je m'appelle Julien Nolan. Puis, je viens de Nice, le sud de la France. Donc, je m'appelle Émilie Duval et je suis originaire de Paris, en France. Nous avons déménagé il y a 12 ans aux États-Unis. On habitait à Shanghai pendant un an. Et je parle un petit peu chinois, Indian Jen. Moi, j'habite depuis 14 ans aux États-Unis. Ça fait 14 ans, mais j'ai habité 13 ans à Los Angeles, en Californie. D'abord à Beaumont, au Texas. Ça a été ma première ville. 6 ans à Beaumont et après 3 ans en Belgique et après depuis 2014, donc ça fait 6 ans à Houston. Je suis infirmière, aide opératoire, donc je suis à mon compte, je suis indépendante, donc je travaille au Méthodisme mais à d'autres endroits aussi ailleurs. Les restaurants Fig and Olive, donc on a un restaurant ici à Houston, à la Galleria. On a des restaurants également à New York, un restaurant à Washington DC, un à Chicago, un à Los Angeles et un à Newport Beach. Donc voilà, je travaille pour cette compagnie depuis plus de 10 ans et je m'occupe du branding, je suis le brand ambassadeur, brand director. Restaurant, mais cette année, c'est très difficile avec le Covid. Donc, on a encore des restaurants fermés à New York avec des grosses restrictions. Donc, c'est très difficile pour le monde de l'hospitality business. La restauration, c'est une année très, très difficile. Dans mon studio, c'est une maison que j'ai transformée en atelier. Tu vois, c'est le living room, c'est là où je peins. C'est transformé en studio comme ça. Voilà. Oui, parce que tu penses que l'Amérique est occidentale comme en France, mais la culture n'est pas la même, l'humour n'est pas la même, la langue n'est pas la même. Oui, il y a un gros choc culturel. Oh, c'est sûr qu'il y a, oui, il y a des différences. Hein. Les différences, déjà Houston. Personnellement, j'aime beaucoup la ville, mais c'est une ville qui est pas belle esthétiquement. C'est plat. Personne ne marche dans les rues. C'est en France. Bon, c'est vrai que tout le monde marche, prend les transports en commun. On voit des gens dans la rue, les gens s'arrêtaient à des cafés, à des boulangeries. Bon, la France, c'est vrai que c'est un pays unique au monde concernant son histoire, sa culture. Quand on lève la tête, quand on marche dans les rues, il y a toujours une architecture assez impressionnante. Dans chaque coin de rue, il y a quelque chose qui attrape l'œil, je dirais. Et bon, à Houston, c'est vrai qu'on n'a pas trop ça. Hein. C'est des parking lots, des immeubles. C'est différent. C'est vraiment c'est différent. J'ai une certaine culture, par exemple, pour tout ce qui est nourriture, littérature, art. Il faut s'adapter à comment les gens, à ce que l'on dit. J'ai essayé d'apprendre la langue, donc je suis repartie au collège et puis faire des connexions avec la communauté française. Mm-hmm. Car quand on n'habite pas son pays, on essaye de retrouver une bulle culturelle de son propre pays.
Mais non, moi, je suis très proche du consul de France. Il y a une bonne petite communauté ici à Houston, très sympathique. Là, d'ailleurs, beaucoup de Français viennent à la boulangerie Mademoiselle Louise le samedi ou le dimanche acheter des baguettes ou des croissants. Quand on va quelque part, on s'adapte au pays, on apprend la langue du pays et on essaye de faire au mieux pour justement échanger avec les gens qui sont sur place. Comme je dois travailler avec des galeries qui sont américaines, je pense que c'est la preuve que j'arrive à m'intégrer puisque je suis dans un univers anglophone complet en définitive. Et les gens que je connais, après, la communauté artistique est très diverse. Alors, la langue, je ne l'utilise pas, ou très peu, puisque les Américains ne parlent pas français. Mais ma culture, nous n'avons pas le même sens de l'humour, donc c'est différent. Je l'utilise très, très peu. Je l'utilise un tout petit peu, parce que moi, je m'occupe de faire des events et des partnerships avec des marques, notamment des marques de luxe françaises. Le consul de France organise des événements comme Bastille Day, le 14 juillet. Donc, on fait une grosse fête où tous les Français se réunissent. De temps en temps, on a des artistes français qui viennent jouer de la musique ici à Houston. En France, on reçoit une culture littéraire et philosophique très forte. Et cette culture influence énormément mon travail. Donc, je vais souvent faire référence à des philosophes, à des écrivains. Pour moi, plus que de perdre son identité, c'est plus rajouter une richesse à ton identité et à ta vie. En étant français, on aime manger, on aime le bon vin. Donc, ça peut paraître cliché, mais c'est vrai que pour nous, se réunir avec un petit groupe de Français, de partager, ça nous permet de toujours avoir une connexion avec la France. Donc pour moi, la liberté d'esprit et la liberté de ce qu'on est très important. Donc je ne perds pas mes racines, c'est-à-dire que je m'intègre dans le pays, mais je reste qui je suis en tant que personne. Donc, je n'ai pas besoin de m'adapter complètement à mon environnement. Mais je pense que beaucoup de gens sont obligés de le faire, de s'adapter pour pouvoir, par exemple, si on travaille dans une grande compagnie, ne pas être différent trop des autres. Je viens de découvrir une boulangerie et qui s'appelle Magnol. Magnol. J'y suis allée la semaine dernière. Les meilleurs croissants. Je recommande Artisan, qui est un restaurant français qui est établi ici depuis je ne sais pas combien d'années, mais ça fait très longtemps. Il y avait un restaurant sur Montrose qui était bien, qui s'appelait Côte d'Azur ou Azur, mais je crois qu'il a fermé. Ma famille. Bien. Le temps, le climat, le temps n'est pas le même. Les maisons ne sont pas les mêmes puisqu'on vit plus dans des immeubles en France, en tout cas à Lyon. Il n'y a rien de similaire à part ma propre cellule familiale. Ouais, c'est deux villes vraiment différentes. Hein. C'est Nice. Nice, c'est une ville déjà au bord de la Méditerranée. C'est une ville avec beaucoup d'influence italienne. On est vraiment à côté de le climat. Nice, c'est un climat méditerranéen. Un peu. Houston, c'est très chaud, c'est très humide. C'est vraiment dur. Il n'y a vraiment pas de similitude entre les deux villes. Hein.
C'est pas pareil. Je pense que c'est dur de comparer parce que l'ambiance, que ce soit, donc moi je suis attirée par les musées, les galeries d'art, et même les galeries et les musées, l'accueil n'est pas exactement pareil, les bâtiments ne sont pas pareils. Donc c'est pas tellement comparable en fait. Il n'y a pas de choses que je peux dire, tiens, c'est comme à Paris ou c'est la même chose. Et ce n'est pas du tout le même climat non plus. Donc, à part peut-être un parc où il y a Herman Park où les gens se promènent. Je me rappelle, Philippine, elle regardait Dora l'exploratrice. Mais il faut toujours finir ses études, hein. C'est très important. Je dis toujours ne pas suivre mon exemple. C'est mon café préféré à Houston. J'ai voulu un gâteau de Mademoiselle Louise. Ah bon.